Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle lecture. Aujourd'hui, un livre de Michel Simonsen et Hélène Micou aux éditions Didier Jeunesse et ça s'appelle Le chat ventru. Tu verras, c'est rigolo. Il était une fois une petite vieille qui habitait seule avec son chat. Voilà qu'un jour, elle fait cuire du gruau. Elle se prépare une assiette et en sert une bonne écuelle à son chat. Mon petit chat! Je vais chercher du bois. Tiens, voilà ta bouillie. Mais mon gruau à moi, n'y touche pas. Miaou, répond le chat. Et la petite vieille s'en va. Un gruau, c'est une espèce de soupe épaisse. C'est une bouillie, quoi. Aussitôt, le chat se jette sur son gruau. Il a vite fait de lécher l'écuelle, et comme il est encore très fin, il mange aussi le gruau de la vieille. Mais ça ne lui suffit pas. Non. Alors il avale aussi la marmite et la cuillère à pot. Il a tout mangé. La petite vieille rentre bientôt avec son fagot. Mais où est donc passé le gruau? Elle cherche partout, sur le poêle, dans la huche, dans tous les recoins de la maison. Dis-moi, mon petit chat, sais-tu où sont passés mon gruau, ma marmite et ma cuillère à pot? Mais oui, dit le chat, je les ai mangés, et toi aussi, je vais te manger. Et hop, il avale la petite vieille, et puis s'en va par les grands chemins. Regardez-le. Il est juste avant qu'il ne croque la petite vieille. Au bout de quelques pas, il rencontre une pigeacasse qui lui dit. Oh, le gros ventre! Mais qu'as-tu donc mangé, mon petit chat, pour être si ventru? On serait ventru à moins, répond le chat. J'ai mangé tous les gruaux, la marmite et la cuillère à pot, la petite vieille avec, et maintenant c'est toi que je vais manger. Et hop, il avale la pigeacasse et continue son chemin. Mais il a encore très faim. Ah, la pigeacasse. Et il l'avale. Un peu plus loin, il rencontre deux porcelets roses et frais. Oh, le gros ventre! Mais qu'as-tu donc mangé, mon petit chat, pour être si ventru? On serait ventru à moins, j'ai mangé tout le gruau, la marmite et la cuillère à pot, la petite vieille et la pigeacasse, et maintenant c'est vous que je vais manger! Et hop, le chat avale les deux porcelets et continue son chemin. Mais il a encore très faim. Oui, donc, moi j'aurais pu faire avec tout ça. Hein. Un peu plus loin, il rencontre un paysan et sa charrue. Oh, le gros ventre! Mais qu'as-tu donc mangé, mon petit chat, pour être si ventru? On serait ventru à moins, j'ai mangé tout le gruau, la marmite et la cuillère à pot, la petite vieille et la pigeacasse de porcelets roses et frais, maintenant c'est toi que je vais manger! Et hop, le chat avale le paysan et sa charrue et continue son chemin. Mais il a encore très faim. Regardez, il y a le cheval, mais il n'y a plus le paysan et la charrue. Il les a croqués. Un peu plus loin, il rencontre des belles dames en crinoline. Ce sont des grandes robes. La plus jeune s'écrie « Oh, le gros ventre! Et qu'as-tu donc mangé, mon petit chat, pour être si ventru? » On serait ventru à moins. J'ai mangé tout le gruau, la marmite et la cuillère à pot, la petite vieille et la pigeacasse, deux porcelets roses et frais, un paysan charrue. Et maintenant, c'est vous que je vais manger. Et hop! Le chat avale les belles dames en crinoline et continue son chemin, mais il a encore très faim. Peu après, voilà qu'il rencontre un bûcheron avec sa cognée. Le bûcheron fait les yeux ronds. Oh, le gros ventre! Mais qu'as-tu donc mangé, mon petit chat, pour être si ventru? On serait ventru à moins. J'ai mangé tout le gruau, la marmite et la cuillère à pot, la petite vieille et la pigeacasse, deux porcelets roses et frais, un paysan et sa charrue, des belles dames en crinoline. Et maintenant, c'est toi que je vais manger. Regardez les bûcherons. Ah, tu crois ça, dit le bûcheron? C'est ce qu'on va voir. Et d'un grand coup de poignet, c'est ça, il fend le champ en deux.
Il en sort aussitôt, les belles dames en crinoline, le paysan sa charrue, les deux porcelets roses et frais, la pigeacasse. Vous voyez tout le monde qui sort, ouais. Du ventre du chat, moi-même. Et la petite vieille qui remet le gruau dans la marmite, reprend sa cuillère à peau et sans plus tarder rentre chez elle à pied. Mon petit conte est terminé. Si tu l'as trouvé trop court, tu peux le recommencer. Et voilà, c'était l'histoire du chat ventru. Alors, attention, voici les questions. Qu'a préparé la petite vieille dans la marmite? Deuxième question. Que fait la pie? La pie, elle... Voilà. C'est quoi le cri de la pie? Et troisième question, qui porte des crinolines? Voilà, voilà pour les questions. Et question supplémentaire pour les moyennes sections, vous allez me dire dans l'ordre tout ce que mange le chat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'attends vos réponses comme d'habitude. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!